Citroën Sport Aligne 4 ZX Rally Raid, dernière génération au Rallye des Pharaons 1993, 12e du nom. Dans le fabuleux décor du désert égyptien, elles vont parcourir près de 4000 km de spécial sur 11 étapes. Les adversaires, toujours Mitsubishi bien sûr, mais aussi de surprenants buggy. Chez les motos, une quarantaine en tout, des champions tels Orioli et Arcarons en duo sur leur Kajiva et Franco Picco qui a plus de 150 à l'heure programme son GPS. Le bon cap est assuré, mais attention au piège. Dès la première spéciale, se livre un combat dont l'arme absolue est la vitesse. À ce jeu-là, pas une seconde à perdre, c'est le tampon panique. En ce lundi noir pour Citroën, Auriol abandonne au désert son capot arrière suite à l'incendie de ses plaques de désensablage tombées sur l'échappement. De leur côté, Pierre Lartigue et Michel Perrin, moteur stoppé à 2 km de l'arrivée, ils attendent avec impatience l'assistance rapide d'Alain Ambrosino. On s'anime autour de la voiture, de longues minutes s'écoulent, on repartira finalement en convoi. Bilan, 45 minutes de pénalité pour Lartigue et les yeux irrités par la poussière. La veille, dès le premier jour de la course, les camions d'assistance Citroën du team Georges Groan se sont enlisés jusqu'aux essieux aux abords d'un lac pas tout à fait desséché. Et c'est là qu'ils ont passé la nuit. Et là on est mal. Personne passe. Changement de rythme, une course de côte dans le désert, un divertissement pour tous les concurrents qui commencent en acteurs et finissent en spectateurs amusés. Après la fatigue et la forte chaleur, au bivouac, la tente berbère est le lieu idéal pour se retrouver dans une atmosphère de détente. Retour à l'action avec l'étape la plus dure du rallye. On l'a baptisée Apocalypse Now, ce qui en dit long sur les difficultés promises aux concurrents. Exemple, des pentes à 50 degrés dans le sable, après s'être donné beaucoup de mal pour trouver un passage. Pour la première fois en 6 ans d'assistance, Ambrosino, promu pilote de pointe depuis que Lartigue et Salonen sont retardés, est libre de rouler d'abord pour lui. Les qualificatifs se suivent sur le roadbook, la descente sans retour se révèle être assez proche de la réalité. Mais il en faut plus pour impressionner les ZX Rally Raid. Hubert Auriol domine à mi-course et prend la tête du classement. À
À travers les dunes ou à fond dans la mer de sable, ça chauffe dans les habitacles des protos. On relève sur le compteur des vitesses de pointe de 210 km/h. Mais attention, le désert est décidément imprévisible. Timo Salonen, retardé par de multiples crevaisons, est revenu de la 12e à la 4e place. Il s'efforce de rattraper le temps perdu et ne ménage pas sa ZX Rally Raid. Tout comme Sabi, bientôt contraint à l'abandon. Le Finlandais casse deux transmissions mais réussit à rejoindre les camions Citroën où, sous les yeux de Sabi, on lui refait une voiture neuve en l'espace de 2 heures, un record pour les mécaniciens. Mais Salonen glisse d'une place au classement. Auriol contrôle la course et assure tout près derrière Alagri qui stoppe à 18 km d'Abou Simbel, victime d'une crevaison. Son avance consolidée, tous les rêves de victoire seront permis, le lendemain, en quittant les colosses de Ramsès. Les embûches, les obstacles inattendus sont très embarrassants, même pour les meilleurs. Auriol a choisi de faire une trace directe dans une zone de pierres friables, mais le chemin se rétrécit de plus en plus. Lorsqu'il veut reculer, les pierres se dérobent et la voiture déjà en dévers glisse dangereusement vers le trou. C'est l'abandon. Pas le temps d'admirer la mer rouge que l'on quitte déjà, la piste s'enfonce dans la montagne. Ambrosino peut encore espérer rattraper Alagri qui a hérité de la première place. La course de la ZX numéro 207 est stoppée brutalement peu après le départ de la 9e spéciale. Ambrosino, qui ouvrait la piste, a percuté de plein fouet une grosse pierre cachée par un buisson. Trois tonneaux à 160 km/h, sans trop de conséquences pour l'équipage, fort heureusement protégé par l'habitacle de sa ZX Rally Raid. Il y a déjà de l'huile dessus, là. Un caillou avec des herbes au-dessus. Tout peut encore arriver dans un rallye où la navigation peut faire la différence. Même avec l'aide du GPS, ce système d'orientation par satellite, il n'est pas évident de trouver le bon chemin entre sable et relief volcanique. La preuve, chercher l'erreur. Les labyrinthes noyés dans les dunes cachent encore des passages très délicats. Pour les pilotes, un impératif, rester unis et collaborer pour une réussite finale.
Ici, le Nil, par un étrange caprice de la nature, déverse une grosse larme dans le désert, ce que l'on appelle la cascade magique. Les concurrents doivent la traverser pour gagner le dernier bivouac. Alajri roule en homme tranquille au point de s'arrêter en route pour un clin d'œil à notre caméra. Salonen, de son côté, ne lève pas le pied. Rien ne semble pouvoir arrêter la progression de la Mitsubishi de tête. Il suffira simplement d'une petite faute de concentration sur la dernière dune. Le commandement revient à celui qui le détenait le tout premier jour de la course, Timo Salonen. Toute l'équipe Citroën se mobilise alors autour de la ZX numéro 206. On la bichonne, on la passe au microscope, rien n'est laissé au hasard, il ne reste qu'un seul jour de course. Dernier départ en ligne pour les motards rescapés, dernier kilomètre pour Salonen qui file vers le Caire. Avec l'équipage Lartigue-Perrin qui veille sur eux, Timo Salonen et Fred Gallagher vont apporter à Citroën une victoire prestigieuse. Un nouveau succès pour une équipe qui a remporté 8 victoires d'étape sur 11. Citroën passe ainsi en tête de la Coupe du Monde des Rally Raids.